C'est la guerre! C'est la guerre, mon colonel! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte. On va découvrir Iron Wings. Regardez, sur Nintendo Switch, n'est-ce pas? C'est sorti, je crois, le 25 juin sur le Nintendo eShop et je l'ai reçu de la part des développeurs. Donc on va voir un petit peu ce que ça vaut comme jeu d'avion, n'est-ce pas? Un petit scénar, vous l'avez vu. Moi, ce que je veux savoir surtout, c'est le gameplay. Là, c'est pas beau du tout. Sympa la petite ambiance. Ah, c'est dégueulasse graphiquement. Non mais c'est pas les graphismes du jeu, ça c'est tout flou. Je peux pas le croire. Ah oui d'accord, ok. Ralentir. Ok, on accélère avec le B. Mais le jeu est tout flou. Faut appeler Alain Flelou là, on voit que dalle. Yes, sir. Okay, Captain. I'm glad to see you on flight again. The P-51 squadron will follow you during the first part. This flight trail is to get funds from the people down there. Don't forget it. Sure, I do my best. Good to hear that. Let's see if the instruments work fine now. The contact point is right in front of you, and also visible in your radar. Coordinates should appear as a green spot. Once you reach the target, the next one will appear on your radar. Your course will be shown step by step. Ça a l'air arcade, la manière de se diriger. C'est affreux, hein, graphiquement. Oh la vache. Mais ça peut être rigolo à jouer. Everything is fine up here. Flies like a bird. Attendez, je vais baisser un peu le son du jeu parce que ça me fait peur. Voilà. Ah là, on est même pas en 720p là. Hein. Je vous le dis. Hein. Vu comment c'est flou. C'est quoi X déjà? D'accord. Target located. I'll proceed with the objective. Lock a target. Ouais, mais comment je tire? Holy shit, mais c'est quoi? Mais... D'accord, compris. Fin de course. Once you reach the coordinate, the radar will automatically jump to the next one. D'accord, faut juste suivre l'objectif.
Ah, le gameplay, il est trop... Ah, mais c'est injouable. C'est injouable, le machin. C'est injouable. Peut-être que j'y arriverai mieux comme ça. Je ne sais absolument pourquoi il y a des montgolfières. C'est des bombes? Ah, ça doit être des bombes. Il n'y a aucune sensation, hein. Et que vous, vous... Et quand on est dans l'avion, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Ok, il faut que j'aille à Statue de la Liberté. Voler dans un cercle et montre quoi? Ah oui, d'accord, faut que je montre l'avion flambant neuf. Mais la caméra là. Mais c'est... Oh là là, la daube. Je comprends que dalle. J'ai l'impression que des fois les commandes s'inversent. Alors tout à l'heure je voyais bien que j'étais en train de chuter, je voulais remonter. Et bah c'était impossible. Ah d'accord, c'est que j'ai dû décrocher en fait. Faut que je reprenne un peu plus de vitesse. Ouais, j'ai dû trop ralentir. Ok. Bon, autant pour moi. Ouh, le Madison Square Garden. Dégage le papillon. Ça c'est rigolo ça. Ça c'est rigolo ça. Maintenir X, suivre la cible sélectionnée, trouver la fréquence correcte. Bah oui. Mais casse-toi le papillon là. Donc là, je suis à fond, il n'y a absolument aucun son.
Très étrange des fois ce jeu. On a réussi la mission apparemment. Franchement, pour l'instant, c'est pas ouf du tout. Hein. Y a aucune sensation ici. Je sais pas. Je sais pas. Faut voir par la suite, mais déjà que ce soit aussi laid graphiquement, franchement, c'est. Moi, ça me rebute à mort. C'est trop flou, ça nique les yeux. Eh ben je le suis là. What do citizens think about it, sir? We'll say it's part of the show. I don't care about it. The good thing is this prototype is still unarmed. T'as le maniement, c'est... c'est Jarbotron le machin. Hein. Ok, on rentre à la base. Still have time to raise some money. If you want, you can check the extra radio signals available. Yes, sir. Ouais, bizarre ce jeu. Je suis pas convaincu du tout par le gameplay. Hein. Et encore, dites-vous bien qu'on n'a pas encore commencé à éliminer des ennemis. Hein. Ça promet. Mais il y a un énorme problème de mixage audio dans ce jeu encore là, putain. On entend rien. C'est quoi ce délire? Amelia and me had been childhood friends, hard to believe in 1920. Her father was an Italian flying ace in the First World War who had escaped the fascist regime. He was a good man, but always seemed a little sad. He taught us how to fly. Amelia came from the WASP, Women's Armed Services Pilots. They were allowed to fly, but they weren't even trained to shoot, so she left. At the end of the war, 27 WASPs had died in battle. The armed forces didn't even allow the Stars and Stripes to be placed on their coffins. They were considered as civilians, non-combatants. As I said, sir, these were hard times. Oh, l'histoire a pas l'air trop mal, hein. Ça a l'air intéressant. Il nous raconte l'histoire de la guerre. Des meumeux. So sister, are you sure you don't want to change your mind? Non mais j'ai déjà fait le tuto là. How did you get into my radio frequency? Next time lock your home door. Oh, great.
Oh, ce vieux coucou. Je m'endors. Visez les cibles avec le pic jusqu'à ce que le cercle extérieur devienne plus léger. Après, tenez ZR. Ah oui, d'accord, ok. Oh, la musique, elle est bonne, là. Ok, faut que je vise les merdes, comment ça s'appelle? C'est l'espèce de réservoir à eau là. Je peux viser s'il vous plaît? C'est quoi le délire? C'est c'est injouable. Quand la caméra tourne comme ça, c'est injouable. Mais tu vas tourner, connard d'avion de merde. Putain, ça rend fou, ce gameplay, là. Comme il n'y a absolument aucune sensation, c'est un truc de ouf, hein. D'accord. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Hein. Ce jeu est une daube. Je tirais sur le château d'eau là. C'est vraiment nul. Hein. Oh putain. La dernière tentative, parce que franchement, j'en peux plus. Hein. C'est un calvaire à manœuvrer les avions. Assez bête pour un jeu d'avion. Oui, mais j'ai compris. Non mais c'est une blague. Bon allez, vous savez quoi? Ah putain, c'est nul, mais c'est nul. Bon, dernier essai. Je fais la même chose que tout à l'heure, mais le machin, il veut pas, quoi. Putain. Ah, ça rend fou, les jeux nuls comme ça. Non mais c'est une plaisanterie, je passe au travers, bon c'est de la merde, hop. C'est quoi? C'est un rage kit total, surtout n'achetez pas ce truc, c'est absolument immonde. Allez, je vous souhaite une bonne journée quand même, hein. Allez, salut à tous.